Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de l'analyse du 13 juillet 2016. Les titres. Henri Movasakani, le secrétaire général du PPRD, a donné une interview à Radio France Internationale au micro de Christophe Boisbouvier. Dans cet entretien, il déclare que les élections ne pourront pas avoir lieu en 2016 en République démocratique du Congo. Ces propos viennent après ceux de Lambert Mende Omalanga, ministre congolais de la Communication et de la Nouvelle Citoyenneté, ainsi que Félix Tshisekedi, secrétaire national de l'UDPS, chargé de l'extérieur. Que retenir de ces propos? Comment les interpréter? Analyse et décryptage dans cette édition, ainsi que d'autres sujets de l'actualité. Vous êtes sur maizo.com, votre site. Merci pour votre fidélité. Tout ce qu'on peut savoir, titre et sujet OESO dominé actualité congolaise et allié sujet à l'élection. Henri Movasakani, secrétaire général ya PPRD, azalaki invité Lelo na Tongo na Radio France Internationale na micro ya Christophe Boisbouvier. Kuna alobi que ce qui est l'élection ezo salamate ezali dramte ezali kambaroka mwate na ba pays nyonso batombaka na bakawana. Bokoki ko rater l'élection pour na ba raison peut-être climatique, bo reporter l'élection d'un jour, bo reportango de quelques mois ou de plusieurs années. Donc, ceux qui na Congo élections au salamate, ils ali faut takabilate. Ils ali tout simplement d'abord faute ya opposition pour ba présenter ki bango deux fois ba calendrier électoraux bango ba boyi ba lobby que calendrier on a tantôt ils ali trop global, c'est-à-dire ils ont englobé l'élection yonso. Tantôt ils ali suffisamment globalité, c'est-à-dire ils ont l'élection misusu c'était qui à côté. Et deuxième problème, ils ali problème technique. C'est que c'est ni il faut à réviser fichier électoral et pour la réviser en haut et rejoint 16 mois. Donc du coup, moyen d'élection et ça la manadate prévue et salité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Et là, quand il y a photo, il y que le pays a mis sur un reportable élection d'une année, d'un jour, de quelques mois. Sauf que le pays démocratique qui n'aura jamais au-delà il y a un délai électoraux ou ils allaient fixer la carte de la constitution. Tant qu'on va reporter à l'élection, ils allaient toujours conformément à la constitution. Bango. Ils allaient être pays où ils allaient na crise politique ou na problème d'occupation comme Congo. Wana déjà première chose. Deuxième chose, à l'objet que ils allaient faute il y a opposition. Mais ceux qui va présenter les bango, tout supposé que ils allaient opposition et qu'ils allaient na bango. Ce qui va présenter le bango calendrier électoral moko oyo ezali conforme na constitution te. Bandi makaka. Ce qui bandimite et comme il faut te na bango. Troisième chose. Tango ye azo lobake ezali problème technique, c'est ni à lobby il faut ba nettoyer fichier électoral et rejoint 16 mois. Ko nettoyer fichier électoral ni kolobani. Et ni koloba fichier électoral les alli na carte ya ordinateur. Ce qui bozui ba combo ya batu nyonso dossier o eza na ba combo ya batu nyonso oyo bazali na âge ya ko voter. Ba oyo bazali privé na ba droit électoraux na bangote, bazali ko constituer fichier électoral. Ce qui bosali ba élection et que ba mboule leki, po bosali élection asika, il faut bosonge la fichier, c'est-à-dire liste ya batu nyonso oyo ba vota ki na élection taki ko leka. Bolongo la batunyo so oyo bakufa et bolongo la batunyo so tout oyo ba changea nationalité. Wane zali ko nettoyer. Mais bakoki ko suka kaka na ko nettoyer te, il faut ba incorporer batunyo so oyo ba komi ba majeur, c'est-à-dire chaque année za na bato bazo ko kisa 18 ans. Il faut ko kotisa groupe ya batunyo so ba ko kisi 18 ans. Banana 2011, 2012, 13, 14, 15, 16 et ko kotisa komo ya batunyo so oyo bazali ba adulte. Et oyo bazui nationalité congolaise. Alors pour na kosala ngo il faut ko identifier batu, il faut ko enrôler batu. Ceux qui basisi ko nettoyer fichier, il faut ba enrôler batu. Et normalement bato bazo enrôler bazali identifier par un recensement. C'est-à-dire ko compter batu ye ba nani azali nani nani azali nani. Mais babilo ko wana nyonso mutasala ngo ezali ministère de l'Intérieur, donc gouvernement. Et asala ngo tous les jours. C'est-à-dire que tant qu'on a l'élection ici, mbala moko babandi biloko wana. Ce qui gouvernement moko quelconque, ezali 5 ans, pour na eba na makambwana, ezali
faute ya batuté ezali faute ya gouvernement wana et ndenge balobaka na droit nemo auditeur turpidi nem soit malégance, c'est-à-dire que okoki ko kose la batu ko pako la batu bozoba na yo mokote ou soko lingi poto ke na ngona ndenge moko ya moi propre ezali que okoki ko bomba na nasima bozoba na yo te po ba innocenté yo tant yo sali mabe okomi ko présenter mabe wana te. Et ça l'iponga na sali mabe bo yango na ko ko sali kambo songolo te bolimbisanga. Mais mabe oyo sali ezo condamné yo. Po soki balobi likambo ya recensement, mais il fallait ba sala ngo depuis 5 ans. Likambo ko nettoyer fichier. Mais il fallait ba longola batunyo so bazokufa au fur et à mesure chaque année bat bazokufa au fur et à mesure. Soki balobi likambo ya mbongo, mais c'est au gouvernement ya ko financer celle-ci. Et rôle ya président de la République, c'est garantir le bon fonctionnement des institutions. Parce que c'est lui le garant de la nation. Rôle wanaza na kati ya constitution. Est-ce que a garanti ça qui bon fonctionnement ya CENI? Alors, raison na ye oyé azopé ça que calendrier global, mais calendrier ezali trop global ou pas trop global boposant baboyaki. Mais calendrier, il fallait pas pèsa calendrier moko ezali conforme na ba texte o ezo gouvernement ka, notamment constitution na loi électorale. Ce que ezali conformité batbakoki kondima yangote et raison mususu yazope sa alobi soki leki nango problème ezalite parce que ayebi bien que soki ba dépasser date ezali net ba violer constitution pour date surtout ya organisation élection présidentielle ezali constitutionnel ce 9 mois 3 mois 90 jours 90 jours avant fin ya mandat oyo ezo courir même si ce mandat est illégitime voire même illégal. Mais c'est 90 jours avant fin à mandawana. Ce qui va sali en haute, va violer la constitution. Alors, il y a des raisons comparées dans le pays, misusu, il faut amitouna. Est-ce que dans le pays, il va violer la constitution? L'air va retarder l'élection d'un jour, d'une semaine, d'un mois ou de quelques années. Est-ce que va violer la constitution? Et le fait que Bango va violer la constitution dans Bango, est-ce que les alliés modèles, Oyo, ba Congolais, il faut bazoa? Donc, ça, ce sont. Ba propos ya Henri Mova oyezo la kisa gena PPRD volonté à organiser l'élection ezalité et azo cité même que problème ezalité pour Senia Sazoa qui déjà a remoko oyo a interprété ce qui va se faire wanape a pesi une mauvaise interprétation ya makambu arrêt ya cour constitutionnelle et lobby constitution ezo organisé une transition fonctionnelle c'est-à-dire que président ya kala a koti kala na pouvoir juste quelques temps, tant mouke, pour na ko permettre installation ya nouveau président oyo azali déjà élu. C'est-à-dire, condition à liboso ezali, avant fin ya mandat, il faut président ya sika azala déjà élu, pour président ya kala a chauffele e kiti, a initié ye, a sa la remise et reprise na ye, jusqu'à son installation, c'est-à-dire so, moi période où on a mouké, et ali période où yo bazo préparer moutou aya ko remplacer aya ko occuper fonction asika. Alors interprétation ya linga sa ya arrêt ya cour constitutionnelle, et ali interprétation moko et ali exactité. Pendant qu'on comprendre l'intention réelle ya batwa Kabila kende sikoyo na ba propos ya mende. Na conférence de presse à sala ki dernièrement lobby batonga kanda ku jamais babanda kana toiture babanda kanda ku na fondation donc il faut to banana élection locale ça dit que soko suis déjà oyo Henri Mova lobby il faut que zela nano 16 mois déjà rien que ça pour déjà ba nettoyer fichier électoral mais il faut que zela lissu sous temps mususu supplémentaire mbongwe monana ba condition mususu ça la rempli donc au-delà de 16 mois soki to silici aux yeux ba propos ya mende il faut que banana fondation ta na élection locale. Banana belection locale. Tito que nous comme na belection présidentielle en passant par ba municipal, en passant par ba sénatorial, ba législative. Tito que nous comme en élection présidentielle et kozwa combien de temps. Donc bango bazo rêvé na eloko to bengi glissement et na système ya transition avec Joseph Kabila dans le jeu. Ya ngona tango batuni Henri Mova sakani à propos il y a référendum à lobby. Oui, c'est une idée qui a été lancée comme ça, mais bah lobbyté référendum en gros est reporté sur Nine. Alors il y a Henri Mova à l'oba ce qui référendum mais ça l'ami est reporté sur Nine sur Kabila qui doit rester candidat.
ou Kabila qui doit respecter la constitution et partir. Il n'y a même pas à poser des questions. Alors, tant aux yeux à propos, il y a Henri Mova. Aux yeux à propos, il y a Shadari. Oyo, bah, ça lit allusion dans l'émission. Où Yazali, sous-secrétaire général, il y a PPRD. Aux yeux à propos, il y a Mende Omalanga. Aux yeux, si à propos, il y a Félix Tshisekedi, Yazali, censé qu'on a en opposition à lobby. En tout cas, selon bah, expert, techniquement, bah, l'élection est coquille qu'on a la mana 2016. Donc, il faut battre bah, koutana na dialogue. Pourquoi l'élection est salamine à 2016? Objet à dialogue échangé. Pour n'a pas perdu Zalaki, Bakende, Koufan ensemble, pour organiser l'élection apaisée. Ou n'a pas perdu. Pour n'a opposition, elle tu sais que des Zalaki, Bakende Koufan ensemble, conformément à texte international, pour Bakende poser ma question sur déjà ce qui s'est passé en 2015. Et comment pays va bah, diriger après sans que Kabila a fait partie du jeu. Mais pendant Félix, autrement dit, il y a dialogue pour perdre des occasions pour se justifier pourquoi a organisé l'élection. Donc, ce qui est totalement dit, c'est qu'il y a un niveau de classe politique. Et à la pouvoir, et à la opposition, c'est entendu que l'élection est comme ça la manne 2016. Et là, il y a un balai. On sous-entend que balingi ko lukate pourquoi l'élection ko yiko sala mana 2016. C'est-à-dire mauvaise foi ya PPRD o ya s'organiser to comme na situation wana et ko sala nango sanctionnete. Sanctionnete sur le plan judiciaire, sanctionnete sur le plan politique. Pour sanction sur le plan politique, ezali ko benda batu na nzela ba émeute, ba protestation, ba nini, vraiment ba boy ba lobby, les textes sont clairs, tout le monde doit respecter tala ndenge to sala. Côté non, on dirait sanction aux alates. Idée à pas politicien est commis dialogue. Mais ce qu'on tali pendenge dialogue en ouzo kende. Ou tali nenge pepper da zozoué lango. Kabila ne lâche pas son affaire du dialogue pour ayebi l'idée cachée qu'il y a derrière par rapport à l'intérêt politique naïe. Bah, politicien, oh, la plupart basali corrompu, basali prêt yako marcher na Kabila pour ba kende na sens naïe par rapport na dialogue. Mais bah, misouso basali komi lobela ya opposition, bazali pe na ko espérer na dialogue wana po bango pe ba se retrouver na kati ya makamundenge zo salama ba misusu ba se retrouver na mangeoire ba misusu ba za na bango wana et bazo jouer à jeu à PPRD bomale et rezoleka po espoir ya PPRD zali plus rezoleka plus ba chance zali que tokoma na élection présidentielle aux États-Unis et madame Clinton aleka comme ça à consolider les sous Paul Kagame et à remettre en scène bah proxy à Paul Kagame na RDC Otoyebi batikala na pouvoir et système et continuer ndenge sala kikala. Pour ceux qui Donald Trump aleki na ba calcul na bango baso soutenir mingilari. Mais ceux qui sali que Donald Trump aleka ye azali indépendant, azo dépend na ba lobité, asengine mutu mbongote. Azoke na ndenge na ye e bota la ndenge ba media ba komi ko diaboliser même ti na ba pays européens po batu ba voter te parce que azali mutu moko oyo azali incontrôlable, azali anti-système, azali en dehors ya système politique, même si azali mutu moko azana circuit économique mais azali en dehors ya circuit na bango politique. Alors mutu wana oyo nous estimons à notre humble avis que bah congolais il faut bah soutenir parce que madame Clinton c'est une vraie catastrophe pour le Congo. Mutuana c'est clair que bah tapé perdé bah koki ko sepela na yete et bah zo beta bah calcul na bango na bah milieu mususu belé belé y compris na Kigali un peu partout que madame Clinton aleka soki aleki bango bah continuer bah chez na bango ndenge bazo sala na Congo et classe politique oyo ezana ona kata système bazo sala rien pour na ko stopper makamwa na nyonsa. Alors ba promettre ba tout meeting le 31 juillet. Meeting wana eko salama ou pas? Soki eko salama eko produire résultat nini? Soki eko salama te, pourquoi eko salama te? Est-ce que ba tout ya pouvoir ba ko zo risque na ba menace oyo bango bazo subir par rapport aux États-Unis? Est-ce que ba ko zo risque ya ko réprimer population pour ba participer na meeting te? Bon, soki sikoyo batbalobi a États-Unis azo sanctionner bango po
abangi sabango ba meka ko réprimer population te comme ça to kende ti na suka na processus belekso salama et mutamalonga akota na pouvoir. Est-ce que mutu wana azali mutu oyo ba congolais ba ko choisir ou azali na ye mutu moko oyo ba occidentaux ba si ba poni ba si ba élire et ba bengi tout simplement ba congolais ba ko voter pour ba valider choix oyo bango ba si ba sali. Ça c'est un certain nombre de questions qui méritent d'être posées et oyo et ko se présenter devant peuple congolais avec beaucoup d'acuité mikolo oyezoya parce que l'enjeu est comme crucial, classe politique pas à la hauteur, population flouée et bango basalika na ba déclaration ya ko préparer toujours opinion que l'élection ko salaté bondi ma situation ndenge zali bondi makaka dialogue bondi makaka dialogue bondi makaka dialogue ya ngwana so totali décision les autres qui est toujours de pair. D'un côté, on a deux élections qui sont à la tête. De l'autre côté, on a un dialogue. Et après, na dialogue, on a commis qu'on émettre point de vue. Naye, pas perdre mordicus na dialogue convoqué par Joseph Kabila, a convoqué depuis ce qui est une année. Pourquoi on a organisé un tout évité. Opposition, on a lobby, non. Conformément, on a une résolution, on a changé, on a changé, on a commis 2277. On a 2277. En attendant, bazo kutana kapé na groupe ba facilitateur en attendant bazo tinda kapé ba message monsieur en public oyo ezo jeté trouble na population et du coup les gens ne savent plus à quel jeu ils jouent ya ngwana mikolo ekoya ndenge tolobaka time will tell toke na sujet na biso amibale sujet na biso amibale ezali que mikolo bomonaki Benjamin Netanyahu premier ministre d'Israël akendaki na Kigali na Rwanda. Et à Kendaki même dans mémorial il y a génocide et il a même versé une larme. Et bah Rwandais bah réussir coup na bango, y a kotia bah Israélien côté na bango neti comme étant quand je dis bah Rwandais gouvernement à Paul Kagame neti que bango na Israël bah subit ça même ça il faut bas en solidarité moko y a bah peuple haut bah subit ça génocide. Sauf que Netanyahu a zo bossa na queue. Ennemi à Israël na deuxième guerre mondiale ezalaka Adolf Hitler et que lelo oyo ye Benjamin Netanyahu akei ko telema a côté ya Hitler africain oyo azali na ko commettre génocide na RD Congo et a sacrifié ses propres frères na Rwanda pour na atteindre pouvoir parce que ce qui ye amena ka guerre civile oyo amena kite. Et ceux qui avions ya abiarimana et zalaka abattuté mais peut-être ba massacre oyo salamaki na Rwanda et nyake salamate surtout na ampleur oyo batu ba konesaki. Alors to bossa na te logo moko ba komaki ko landela Israël trop parce que comme les États-Unis ne peuvent plus se mouiller ba koki ko sous-traiter makambo belé na Israël. Bango Rwanda balobi bazwa koluka espace na Congo po bango bazali surpeuplé pays ezamuke. Mais comment se fait-il que Rwanda a zone dima surpopulation ba noir oyo Israël azo bengana Rwanda ndimi na ye moyennant argent. Sûrement que bazo payer Rwanda en liquidité, bazo payer bango peut-être le ba pesa bango mbongo bazo pesa bango ba arme. Donc ba noir Rwanda ba ya ko s'installer na Rwanda o bazan espace te et puis na Uganda. Mais lokola bazan espace te bakotinda bango wapi? Bakotinda bango wapi po espace zalite. Il faudrait société civile congolaise, ba élite congolaise, ba saisir ba milieu israélien. Ba to baza na Grande-Bretagne, même partout dans le monde, ba saisir ba ba rabbin israélien oyo ba protester ki sur ce qui se passe au Congo. Na deuxième guerre mondiale baloba ki plus jamais ça. Et ça la mine à Rwanda. Et le bourreau est applaudi dans le monde entier par la désinformation. Et zo salamana Congo dans l'indifférence totale. Bango bat balobaki ke bazo soutenir Rwanda parce qu'ils ont été pris des remords. Comme il y a eu 800 000 morts au Rwanda, ils ont été pris des remords. Ya mwana bango bakomi ko soutenir Rwanda. Mais bazo salanini concrètement pour na esalamana Congo te parce que il y a plusieurs millions de morts na Congo. Bazo sala nini. Donc il faudrait batouba se saisir na ba association juive union sur ma pays bazali ba démontrer que s'il y a un côté oyo Israël il faut apona, il faudrait apona côté à ba victime et non côté à ba bourreau. Et quand je parle de victimes, nazomona peuple congolais,
nazomona peuple rwandais, nazomona peuple arménien, nazomona peuple juif. Et côté ba bourreau, nazomona ba dirigeant turc de l'époque, nazomona ba dirigeant nazi oyo ya 1945, nazomona ba nazi o baza na région à Grand Lac, ba Museveni, ba Paul Kagame, na ba proxy na bango. Et il faudrait nde bango baza la côté wana olie ba pona mauvais côté ya histoire. Wana ezalaki sujet na biso ya mibale. Sujet ya misatu ekozala mukuse. Batebele baza minorité mais baza quand même ebele. Bazolo baki ah biso soki esimbite na Congo Kinshasa abandonné biso bon biso Katanga ou Kivu il faut tous indépendance na biso. Comme ça tu revivre bien. Ndenge bazo kanisa. Bata la kak exemple ya Sud Soudan. Ba occidentaux, Israël na États-Unis ba sali tout, ba créer ba guerre na pays wana po ba kata kaka sud. Ba en se servant d'un problème religieux au bango moko ba créer po ba kata sud ezali bourré de pétrole na gomme arabique. Très riche. Ba yebisi ba John Garang bino fubo kabwana bo sala république na bino toko financer bino boko vivre bien. John Garang azalai ko boya. Tango ba jui indépendance ya 5 ans. Ake pa Museveni azozonga bu accident d'hélicoptère a Koufi. Batye Salva Kiir. Oyo yaza kondi manaye po John Garang a boyaki république alobaki to sa la fédération to tika anakata Soudan. Salva Kiir andimi batye yoana. Conséquence, combien de milliers de morts? Le lo yo sud du Soudan eza nango kaka forêt. Ba chinois na ba américain bazo pompe pétrole tongo midi pokwa. Beaucoup fa côté et taliban ote. Ba américain bazo récupérer gomme arabique mena ndenga mukete. Pays wana pauvre. Bota la lelo lobby ezalaki anniversaire indépendance na bango ba betana masasi na capitale 150 morts. Et son na lobby capitale quelle capitale? Wana penza simple village hein, omonika mwa ba nzete village ba bazola na ba camp ba réfugié voilà. Ce qui est occidental, c'est aussi batou. Pour ne pas isoler, c'est aussi comme faible. Il y a l'ingé à Kabouana. Ce qui est en train de se faire, c'est Kabouana. C'est session. Il y a des pieds, cuivre, uranium, cobalt et tout ça. Il continue à abandonner la population. Il y a des gens qui sera la même chose. Exemple, il y a Sud Soudan et servir batou d'exemple. Alors, il y a quelques jours, dans l'Obaka, que princesse Maniema Crampin serait décédée. Bon, ils ont un journal allemand moko paye et lobby ango. Donc tous ils la peut-être ceux qui ba journaux musu allemand ba s'intéresser na sujet wana. C'est un sujet secondaire, ils ont un simple fait divers et ko ki ko confirmer ba fait mais selon ba propos ya journal wana, le nom il est un peu difficile à prononcer. Ils ont kende na sans obiso to lobby la ki que a Koufi na Congo dans le dénuement le plus total. Et à propos ya ko Koufa, le ko la le 9 juillet le ki et bembe ya diplomate congolais a Koufa ki na Roumanie et ko kisi 3 mois na morgue. So ki Kinshasa ba rapatrier cadavre na yete, logiquement gouvernement roumain a ko enterré ye comme indigent et après a ko tinda facture et pa ya gouvernement ya Kinshasa. Et le kola tozaka na ba sujet a liwa ko signaler pona ba o ba yebite ke za na congolais moko awa na banlieue parisienne a bomaki mwasi na ye a tche bembe na frigo a kamati mwana na bango a 18 mois a tike pa ba voisin. Il y a Kimi na yena kin et a bengi police à partir à kin ke batala na congélateur a bomi mwa sinaye. En tout cas mwa baka ya dramatique wana komo ya na communauté congolaise mwa mingi. Je pense que zali combinaison ya makambo ebele. Éducation ndenge to utela ki na mboka moko, bespoir to tela ki na poto, ba relation homme femme o komi ko se développer na poto dans un milieu démocratique. Ba tiraillement entre biso ba tapoto na ba famille na kin ba pression mutu na mtazo cha mutu na ye derrière pona ndenge ni na koko boko la famille ceci cela makamwana nyonso le resangani ezo sala ke ba rapport homme femme e komi très tendu et ba rapport wana e koki ko aboutir na ba drame midele oyo to monipo e komi un peu récurrent na Londres ah, mobali abomi mwasi na mbeli na Paris ah, mobali abomi mwasi a tche na frigo. Namboka bo ah mobala beta ki mwasi mwasi akufi. Ti na niveau ke ndeko na bisa ki ko bima victime ya India abomi kuna na end et puis ceux qui batou balingi ba protester ah wana gouvernement komi très efficace pona ko protéger ba India. Ko protéger ba India eza mabete eza maramu. Mais ba senga pe réciprocité pa gouvernement indien ba protéger ka pe ba congolais tango bazo martyriser bango na end.
mais parce que ça l'a monté. Donc actualité nabiso mikolo ezali un peu lugubre. Alors ils ont actualité mususu mais autre zone en analyse ezoya ezali que gouvernement congolais il faut azongi sa ba société minière 700 millions de dollars ya ba taxe oyo bango ba réclamer et que soka zo sala makambuye moko na ndenge ya bricolage sans qu'on respecte loi. Ben voilà ce qui arrive. Bar rectifier ou ba réformer secteur minier bazo sala yango te. Ba sala ke Congo gagner belé bazo sala yango te. Mais lorsqu'il s'agit que Congo perde wana c'est bon Congo zo perde 700 millions de dollars to kozongi lango. Information ka tonito pe Sabino ezali que samedi on ndenge to lobaki to zalaki na conférence na Bonn. Ezalaki organisé par l'association des Congolais et des Congolaises de Bonn. Alors, sujet nango ezalaki actualité politique ya Congo, ya mikolo oyo ndenge zo leka, hein, actualité politique récente hein, banda ba guerre oyo eye ti na perspective ya ba élection oyo zoya. Tozalaki kuna na écrivain franco-camerounais Charles Onana, nga na zalaki et il y avait d'autres personnes sur place en Allemagne, bolimbisa je peux pas citer tous les noms. Il y a eu par exemple le professeur Martin. De toutes les façons, dans la semaine, tu rejoins l'actualité. Wana. Donc, comme on me dit, c'est Tangamite et Kotangama. Et, conférence, c'est ça qui est très intéressant. Cadre, c'est ça qui est toko. Tolingito, remercier, bande konabiso ya bon. Association, on a basala qui est très efficace. Surtout, commodité, tu yena moupaya, tu yoki sonite. C'est un niveau, bah, tu qui barre par rapport à l'accueil, na ba conférence, nyonso, tu zo tambo la mikolo, yo, bah, atteindre niveau, wana te. Donc pour la bande de l'Allemagne, to lingito félicité bino mais du fond du cœur. Alors merci mingi na ba membre nyonso ya association ya ba congolais na ba congolaise ya bonne, surtout équipe dirigeante, ezali président Zola Kandala, il y avait monsieur Pascal Kalambai, madame Monique Mbombo, monsieur Jean-Marie Massala, monsieur Jérémy Lendo, monsieur Richard Bintende, monsieur Charles Bolengue, madame Suzanne Makifoto, monsieur Fabien Kakesa, monsieur Papi Menga, monsieur Didier Ilunga et bien entendu Guillaume Kalombo. En tout cas, merci énormément et to sepela ki mingi na qualité ya ba débat. Et kuna boyebi biso awa na analyse, nous mettons toujours en valeur le Congo qui gagne. Ce qui m'utaza que c'est distingué dans le domaine moko bo photo mettre en valeur. Alors, je voudrais mettre en valeur une jeune congolaise qui m'a impressionné. Jeune congolaise Wana Azali parmi bah, les plus jeunes médecins congolais na Bonn en Allemagne et en Allemagne tout court. Kombo na ye c'est docteur Christelle Betty Motupa, je crois que je prononce bien le nom. Donc Azalina Allemagne, c'est un de plus jeunes médecins congolais à Kuna. Il faut ezala exemple oyo bana ya ba congolais faut balanda. Il faut vous ana devise ab américain, the sky is the limit. Il faut pas bomicha ka ba limite o nini. Limite na osoko komi na lola. Soko komi na lola te komicha ba limite te. Et to yebi bien que bana mingi ba jube examen d'état, soki possibilité zali bo affronter ba faculté, ba faculté à médecine, ba faculté à nini nini nyonso, il faut bo affronter. Alors auditeur du jour nabiso ezali Alain Mutumosi, Alain Mutumosi azali na Cologne na Allemagne et to ngaki to remercier particulièrement Mutumoko comme na ye Junior Aladji parce que pour na conférence on se tenir bien atika ki voiture na ye pendant 2 jours à disposition. Et ça, la course nyonso, ça c'est une façon aussi de contribuer pour le Congo. Donc, Junior Aladi ou Junior Aladi, toko remercie yo vraiment énormément. Alors, à part conférence wana, ezalina fête y a le 30 juin, et ko salama na Copenhague. Copenhague, ezalina Danemark. Bon, au fait, ezalina Copenhague, hein? Ezalina ville moko régionale. Pour nako soukisa, avant juste te remercier Moutassouk en allemand des Ali, Jean-Claude Bouefasa Bouambana, hein, Asta Congo, Azali donc en Allemagne, hein, pour nous remercier Moutassouk par rapport à la conférence de Salman en Allemagne. Tous signaler que le 16 juillet 2016, Oyo, tous allés na
Aalborg. Aalborg est allé au Danemark, donc à quelques kilomètres et à Copenhague. Alors, adresse est allé Kulturstation Sverigegade Svege 4, 95 020, genre 9520, pardon, Skorping, Aalborg, Danemark. Alors, l'association des Congolais résidents au Danemark, en sigle ACODA, a le plaisir d'inviter tous les Congolais résidents en Europe, en Scandinavie, au Danemark en particulier, de bien vouloir prendre part à la manifestation qu'elle organise à l'occasion du 56e indépendance de la RDC. Alors, adresse, yangwana na pesibino orateur kozalangai, pour na thème, tozali, na thème, na mkuse, indépendance, lobby, lelo na mikolezoya. Donc, on va parler de la République démocratique du Congo. Alors, ce bongi boye, adresse, moi, précision, misusu, bobenga le deux numéros à téléphone Oyo, 0045 914 15 300. Donc, 0045 91 41 53 00. Ou bien 0045 29 83 21 77. Vous contactez Jean-Claude Mangomba Mbombo, ou Azali, vice-président. Il y a association en a donc bata Danemark boya ebele tokozalawana tozoya sur ce toko pesa bino merci ndenge bolandi analyse bo s'abonner mingi na chaîne YouTube na biso ezali ofele Kerwin Maizo bo kenaka mingi pe ko visiter site www.maizo.com bo faire connaître site wana na ba entourage na bino bo koki ko landa biso na Hot 243 ou bien na Congo Synthèse. Ils en avaient Radio Bélé, parce qu'ils reprennent Bissot, de temps en temps Radio Lissolo, beaucoup plus souvent Radio Bendele, merci Nabango. Bokoki kokende na groupe Nabiso, les amis de Kerwin Maizo, les panafricains, donc ils allaient page Nabiso Asika, où ils allaient gérer par Jean-Paul Kimpolo et Batimisusu. Ce qui est il y a vraiment des informations Asika, des news, des updates, des vidéos Asika, news et Zokota en urgence en ligne côté Wana. Bokoki ko retrouver biso pe na réseau social ba congolais Face Congo. Tozo souhaiter bino bo passer journée malamou, courage na ba français oyo ba perdre euro. Boye ba ke euro oyo uti ko beta ma donc Coupe d'Europe des nations oyo uti ko beta ma na France, République démocratique du Congo ezali pays africain oyo est placé le plus grand nombre de joueurs. Poto Zalaki na 10 joueurs au total na ensemble avec l'équipe européenne Nyonso ou Zalaki Kobeta wana comme quoi notre pays n'est pas n'importe quel pays, les Congolais n'est pas n'importe quel peuple. Lelo Oyo coupe Ekeyi na Portugal, félicitations à nos amis portugais. Et puis prochainement que les meilleurs l'emportent. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et à la prochaine.